Salut Alex! Alors le retour est un petit peu fort dans mon casque. Re, ma petite Muna! Comment est-ce que vous allez depuis tout à l'heure? Est-ce que vous allez bien? Bon, moi je suis vraiment hypé pour le jeu du coup. Donc on va le lancer tranquillement. Donc sachant que je ne connais absolument pas du coup le jeu, je vous demanderai juste donc de ne pas spoiler. Sauf si vraiment je vous demande un petit conseil ou quoi dans le jeu. Je sais pas si vous l'avez fait. Mais du coup, on va partir pour Pokémon Donjon Mystère, équipe de secours DX. Ça va et toi? Eh bien, écoute, je me suis un petit peu reposé, on va dire. Je me suis un petit peu mis tranquillou sur le canapé. On peut pas dire que j'ai fait grand-chose, mais au moins je me suis quand même un petit peu reposé par rapport à ce matin. Allez, on va lancer le jeu du coup. Alors, je ne sais pas à quoi m'attendre. Je vais juste monter un petit peu. Parce que du coup, j'ai vraiment plus de son dans le casque. Et du coup, on va partir à une demande d'amis. Bon, je la ferai. Je sais pas si on peut la faire maintenant ou quoi. Je vais regarder le teaser aussi. J'aime bien regarder ça au début. D'accord, donc il n'y en a pas du tout. Yes. Ok, sauvegarder automatiquement, donc ça c'est cool. Je sais pas s'il y a des paramètres à mettre en compte ou quoi. Oula! T'aimes un coup c'est trop fort, un coup c'est pas assez, bordel de merde! Alors. Donc ok, il y a des béquipants qui font tomber des cartes postales. Très bien, très bien. Alors, il n'y a pas de... Oh, je suis déjà un petit peu dégoûté, il n'y a pas de... Il n'y a pas de mise en scène. C'est cool, on entend bien. Bon, tant mieux. Bienvenue! Voici le portail qui mène au monde des Pokémon. Alors attendez, je vais... Niquer une mouche qui commence à me casser les couilles. Mais je sais pas si vous en avez beaucoup chez vous des mouches, mais. Yeah, je l'ai pas eu. Moi j'en ai énormément, ça me pète les couilles. Allez. C'est quoi vos codes amis? Alors je te laisse. Ben attends, je vais te mettre dans le chat. Voilà, comme ça au moins tu pourras le rentrer. Ah ben, tu l'as fait avant moi. Ok. Allez, je veux que vous y répondiez avec sincérité. On peut commencer? D'accord, c'est parti. Wow, un questionnaire déjà d'entrée. Alors, vous devez mettre de l'eau dans un seau. Vous le remplissez à ras-bord, à moitié, un peu. C'est quoi cette question de merde? Là, je dirais à moitié. Qu'est-ce que c'est que ces questions pourries? Êtes-vous... Alors là, pour le coup, jamais. Ça, c'est clair et net. Jamais en retard. Vous sentez-vous triste quand il n'y a personne autour de vous? Alors là, absolument pas. Fais attention, ça détermine quel poké tu es. Oh putain. Ouais, mais bon, je peux pas tricher. Je connais pas du tout le jeu. Donc, voilà, c'est vraiment... Les réponses viennent vraiment de moi. Donc, est-ce que je me sens triste? Mais, pas du tout. Attendez, la mouche revient. Yeah, c'est bon, je l'ai eu. Êtes-vous capable de remercier quelqu'un avec sincérité? Je pense que je le fais quand même bien assez, ne serait-ce qu'avec vous, quand vous m'offrez des petits Pokémon ou des petites attentions. Vous décidez de faire du saut à l'élastique pour la première fois. Par précaution, vous faites d'abord un test avec une poupée. Mais l'élastique lâche. Sautez-vous malgré tout? C'est un peu bizarre sa question là. Si c'est avec une vraie personne, ouais, parce que j'aime les sensations fortes, donc ok, mais chasseur de mouches. Ouais, je pense que ouais. Avez-vous tendance à imaginer des choses pour vous amuser? Non. Je n'ai pas une grande imagination. Avez-vous déjà tendu un piège à quelqu'un? Pour le coup, je suis un spécialiste.
Vous découvrez un coffre trésor. Que faites-vous? Je l'ouvre immédiatement. Rien, c'est un piège ou rien, il est sûrement vide. Et si c'est un coffre trésor, je l'ouvre immédiatement. Voulez-vous incarner un garçon ou une fille? Ah, c'est sur un garçon quand même. Ah là là, putain, choisis bien. Choisis bien. Impatient. Vous aimez prendre les choses en main pour qu'elles soient... Je suis impatient? Ouais. Vous aimez prendre les choses en main pour qu'elles soient bien faites. Salut Skyle! Comment tu vas depuis tout à l'heure? Vous êtes pugnace. Mais faites attention au stress. Alors là, s'il y a bien quelqu'un qui est pas stressé dans la vie, je crois que c'est moi. Hein. À moi de vraiment quoi. Vous avez tendance à vous énerver quand vos amis arrivent en retard. Bon, peut-être un peu. Vous éprouvez de la frustration lorsque les choses prennent un tour inattendu. Pas des masses. Vous êtes du genre à appuyer frénétiquement sur le bouton. Alors, d'habitude, oui, mais là, apparemment, non. Ouais, c'est vrai, ça. Putain, ils sont forts. Ah non, désolé. Vous gagneriez à apprendre à vous détendre. Mais je suis détendu, mec, c'est bon. Bon, ça va. C'est pas celui-là que j'aurais préféré, mais ça va. Je vais super bien et je suis trop content que tu commences le live de Donjon Mystère. J'espère que vous allez aimer. En tout cas, bon, je sais que t'aimes pas spoiler, Skyle, mais pour ceux qui rejoindront peut-être le stream un petit peu plus tard. Mais voilà, si vous pouvez essayer de ne pas trop spoiler, c'est gentil. Salut Karat. Bon, Poussifeu, ça va, mais j'aurais préféré Gobou, Caïminus, voire Osselet peut-être. À cette aventure, vous serez un Poussifeu. Ah, mais on peut changer! Bah allez, vas-y. Regardez Poussifeu. Ah, on peut choisir un partenaire. Évolution, Noctalie. Pas dans ce jeu aussi. Je crois qu'ils évoluent pas. Qui sait qu'on prend en... Moi, franchement, Gobou, ça me plaît. Gobou, c'était vraiment le starter que j'aurais kiffé, quoi. Pikachu. Ouais, un Pikachu, on le voit trop. On le voit trop partout. C'est un peu chiant. Skitty, mais il y a vraiment des gens qui choisissent Skitty. Ouais, Gobou, hein. Allez, on prend Gobou. Merci, les gars. Gobou! Bah, un garçon, quand même. On n'est pas là pour faire des bébés Pokémon. Hein. On va l'appeler... Comment est-ce qu'on l'appelle? On l'appelle... Binette. Parfait. Boulette Bouddha. Ah, Boulette, ouais, c'est... Allez, Boulette. C'est bien pour te faire plaisir. Hop. En vrai, je suis trop impatient que tu commences. Doucement, doucement. On y arrive, on y arrive. Oh, Poussifeu et Gobou. Bah ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Où suis-je? Suis-je en train de dream? J'entends une voix. Coucou. Ah, oh, c'est Gobou. Et coucou. Ouh là là. Je m'appelle Boulette. Tu ressembles plutôt à un poussifeu. Oh, il regarde ses papattes. Quoi? J'ai des petites papounes.
Alors par contre, j'adore les actions. Elles sont vraiment trop cool. Comment tu t'appelles? Oh, mais évidemment, on s'appelle Olfito, hein. Hop. Les graphismes des Poké ressemblent à ceux de Poké épée si tu regardes un géolithe de près. C'est un prénom original. Oh, à l'aide. Papillusion, qu'est-ce qui t'arrive? Mon chenipa est tombé dans une grotte. Oh là là! Que faire? Oh là là, je ne sais pas quoi faire! Mais attends, mais il y a Boulette! Il y a Olfito pour t'aider! Allons-y! Le début est pas pareil que sur la version de DS. Alors, du coup, je ne connais absolument. Alors attends, qu'est-ce qui. What the fuck? C'est un donjon mystère. Donjon mystère porte vraiment bien leur nom. Chaque fois qu'on y rentre, ils changent de forme et les objets qu'on y trouve sont différents. Pour progresser, on n'a pas le choix, on doit trouver l'escalier. Ok. Les musiques sont cool. Enfin, du moins, la musique pour le moment est cool. D'accord. Oh là là! Est-ce qu'on a un petit menu ou quelque chose comme ça? Ok. D'accord. Oh là là, il y a les tournegrins. Oh, le HKO, magnifique. Vas-y, attaque! Attaque! Bon, s'il y a que des insectes, ça devrait le faire. Alors, on se déplace normalement. Ok. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, un recul. Wow, mais on HKO tous les Pokémon. Bon, je présume qu'il faut faire du PEX un peu. Si on revient par exemple dans une autre salle, est-ce que. Qu'est-ce qu'il fait, Gobu? Gobu, il fait du moonwalk. Gobu, il fait du moonwalk. Regardez ça! Qu'est-ce qu'il branle? Si tu meurs, tu recommences tout. Ah! Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il branle? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors j'ai 43 PV sur 43 et le 58 c'est quoi ça à côté? Mais là tu le pousses. Mais oui, mais pourquoi il fait du breakdance quand on le pousse? Il est con. Ok. Copoutoupie. Ben oui, on va continuer. C'est ton énergie, d'accord. Alors, vous jaune, objet bleu, escalier blanc. Pokémon allié en vert et Pokémon ennemi en rouge. Bon, ça va, c'est pas trop. Oh là là, pendant qu'il dormait! C'est magnifique ça! Ok, la monnaie de cet univers avec. Vous pourrez réaliser vos achats. D'accord, donc on va pouvoir acheter des trucs, ok. Mais casse-toi! Mais qu'est-ce qu'il fait? Alors, ça, c'est un objet. Manger de Beuron permet de récupérer des PV pour manger une, ouvrir le menu principal en appuyant sur X et sélectionner la mallette. D'accord. Est-ce qu'on peut la donner comme un Pokémon normal? Ok. Information d'équipe, paramétrage des capacités. On peut examiner les environs? Ah ouais, on peut aller plus loin que. D'accord. Appuie sur B et va vers lui, normalement tu le doubles. D'accord. Examiner le sol. Allez, alors faut voir si je fais B. Ah ouais, nickel. En tout cas, la musique est vachement cool. Appuie sur L pour activer le déplacement automatique. Oh, c'est pas drôle ça, c'est nul. Alors, rouge, c'est des ennemis. Vas-y. Flamèche! Alors là, il y a des escaliers.
Pulfito a faim. Donc je présume que je dois lui donner. Je dois lui donner la baie. On la reprend. Et du coup. On la donne. Attends, non. Voilà. Et du coup, ça fait rien du tout. Quoi? Ça fait rien en fait. Ah ouais, B c'est pour aller plus vite, d'accord. C'est pas cool s'il est aussi dur que celui de 3DS. Bon, en tout cas, je suis déjà à 13 de barre d'énergie là. Waouh, il y a un tour de grain. Et bien, attaque! Attention, il y a un recul! Alors. Ah, mais en fait, Gobu, c'est. Il ramasse. Lui, il ramasse juste les thunes, tu sais. Attention, il y a un ennemi qui arrive. Allez, attaque Flamèche. Voilà. Et on n'a toujours pas monté de un level. Qu'est-ce qui se passe? Vite, il faut manger quelque chose, le Pokémon va s'évanouir. Et ouais, mais j'ai pas d'objet. En gros, je suis déjà mort, quoi. Non! J'ai déjà perdu! Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez perdu l'argent que vous aviez sur vous? Qu'est-ce que quoi? Vous êtes à la tête de secourir, moi. Peut-être c'était. Ah, mais peut-être c'était fait esprit en fait. Ah, mais c'était fait esprit! Ah, d'accord. C'était fait esprit. Ou peut-être pas. Allez, trace ta route. Eh oui! Ah! Trop marrant. Alors, la baie orange, d'accord. Oh, attends, je suis pas allé là-bas quand même. Ouah, mais l'énergie, mais comment elle tombe trop vite? Ah mais par contre quand tu reviens sur tes pas on dirait que qu'elle fait rien donc c'est on dirait que c'est calculé pour que. Ah mais moi je veux les objets. Vas-y Gobu. Vas-y. Oh putain il faut surveiller son état quoi. Wow. Eh ouais. Alors, petit bois moins 3. On va aller vers les objets. Hein. Putain, mais Gobu, il rate toutes ses attaques, quoi. Est-ce qu'on a des natures style? Est-ce qu'on est timide? Est-ce qu'on est jovial? Oh là là, magnifique. Non, d'accord. Putain, mais j'oublie la moitié des choses, je suis sûr. Oh, chenipan! Ouais! Maman! Où est ma maman? Sniff.
On est là pour te sauver. Je suis Boulette. Enfin, réussi avec brio le soft. C'est tout? Bah, c'était pas dur. Je m'appelle Boulette. Oula, on dirait qu'il vient de rencontrer une vedette. Il a les yeux qui brillent, c'est un peu gênant. Merci Boulette et Olfito. Une mini résugraine. BP chat et 500 Pokétrucs. T'sais, les Pokémon ils te filent du blé. Gobu, on n'est pas si proche que ça. Écoute. Tu as changé ton logo? Oui! Grâce à Carotte! C'est lui qui l'a fait de A à Z. Très beau logo. Voici ta boîte aux lettres. Peut-être tu reçois du courrier en plus. Pense à lire le courrier que les Pokémon t'envoient. Tu te souviens de la crevasse dans laquelle je suis pas acheté? Personne ne sait pourquoi, mais il y a plein de catastrophes du même genre. Ok. Pendant le sauvetage de Chenipan, qu'est-ce que tu dirais de te joindre à moi pour former une équipe de secours? Je refuse. Allez, on accepte, ça va, ça va. Ouais, franchement, Carotte qui a fait du très très gros boulot et je sais pas du tout qu'est-ce qu'il fallait que je fasse en fait. J'ai pas eu le temps de voir. C'est quoi qu'il faut que je renomme? C'est la maison? Ah non, c'est l'équipe! Non, c'est pas l'équipe? On va s'appeler les Bad Wolf. Le nom d'équipe, ouais, Bad Wolf. T'as oublié la miniature. Et la miniature, je peux pas la mettre sur Twitch. En fait, la miniature, c'est avant, c'est après, je veux dire, Karat. T'inquiète pas, je l'ai. Bad Wolf. Eh ouais, là, ça rigole zéro, là. Eh ouais, on est les Bad Wolf, nous. J'ai gardé un truc de côté pour le jour où je serai dans une équipe de secours. J'en ai deux, ça tombe bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. Mais c'est dégueulasse! Mais vous ressemblez à rien, putain! Les Bad Wolf, vous avez des foulards tout pourris là. Olfito et Boulette commencèrent leur carrière de secouriste. Et créèrent leur équipe de secours. Ça y est, le jeu est fini? Je viens réellement de terminer le jeu là? Bon, bah, c'était pas trop mal. C'était un bon let's. Ah non, ça continue. Le lendemain matin. Tu l'auras toujours sur toi. Oh putain, c'est dégueulasse. J'ai beau me creuser la tête, je ne vois pas. Comment il s'appelle déjà? Putain, il a déjà oublié le prénom de Gobu, quoi. Sérieux, mec? Alors, est-ce qu'il y a des trucs cachés, là? Je présume qu'il n'y a rien de caché. Oh, il fait... Mais il est sérieux, il dort dehors, lui? Attends, on squatte sa maison et lui, il dort dehors. Le jeu qui dure 2 minutes. Qu'est-ce qui branle? Oh là là. Le mec il dort dehors, tu sais, il est chez lui, il dort dehors. Faut d'abord qu'on reçoive des demandes. Vérifions quand même la boîte aux lettres avec un peu de chance.
Oh, il a les yeux qui brillent! Toutes les nouvelles équipes en reçoivent un. Boulette ouvre le kit de secours. Ok, dans la boîte à objets, on peut ranger les objets trouvés dans les donjons. Très bien. Il contient plein de conseils et d'astuces. Je laisse dans la boîte aux lettres. Pense-le à lire à l'occasion. Ok. Ils auraient au moins pu assortir les couleurs en échangeant les foulards. Mais oui, mais un foulard vert sur un poussifeu. Normalement, on reçoit les demandes de sauvetage par courrier. Mais comme on vient de créer notre équipe, personne ne nous connaît. Oh putain, on est si nul que ça en fait. Ah, du courrier. Oh là là, il y a du courrier. Je suis tout excité. C'est peut-être une demande de sauvetage. Qu'est-ce que ça dit? Oh, le phyto lit la lettre. Bzzzt. Je n'ai pas nous en parler de vous, s'il vous plaît, aidez-nous. Des magnétis sont en danger. Une mystérieuse vague électromagnétique a jailli d'une grotte. Et deux magnétis se sont trouvés collés l'un à l'autre. Mais il en manque plus qu'un et ça fait un magnéton. Ah oui, d'accord, ok. Bah ouais, carrément, vas-y. On est des fous, nous. Ça, c'est une réponse de secouriste. Allez. Let's go! Donc je présume que là il y a des Pokémon qui au fil du temps te rejoignent. Les musiques sont quand même sympathiques. C'est la même histoire. Ah, la même histoire que sur DS. Maintenant B, ouais bon ça c'est bon, je l'ai vu. J'ai pas envie de foncer. Là. Alors juste un petit check sur les objets que j'ai. Ça c'est quoi ça? Cette graine permet de ranimer un Pokémon tombé KO. Ok. Et la BP chat pour les empoisonnements. Ok. Il manque un truc là non? Croquer dans une pomme pour retrouver du poil de la bête. D'accord. Ouais, c'est bon. Oh là là, on a déjà balayage. Waouh! On a déjà balayage, quoi. Capacité plus elle s'améliore, la jauge progresse ainsi. Lorsqu'elle est pleine, vous gagnez en puissance, en précision et en PP. Les progrès étant partagés au sein de l'équipe, vous progresserez plus vite si toute l'équipe utilise les mêmes capacités. D'accord. Et est-ce que j'adore ça. Vraiment, j'adore ça. Ça, je crois que c'est le meilleur truc du jeu. Bon, allez, bref. Comment est-ce qu'on peut regarder les capacités de son Poké? Ah, c'est là. Activer, désactiver les capacités. Pic-pic, Flamèche, Balayage. Je pense qu'au début, Flamèche, c'est cool. Vivata, qu'on n'a pas forcément besoin. Bon, tu me diras. Mais est-ce que je peux pas le monter en fait? Je peux pas le monter? À moins de. J'ai envie que. Bon, allez, bref. Si vous faites face à plusieurs ennemis en même temps, repliez-vous dans un couloir afin de les affronter un par un. Oh, mais c'est de la triche ça! Chaque fois que vous réalisez une action, les ennemis en réalisent une en retour. Les tours se dérouleront toujours dans cet ordre. D'accord. Ok. Je te jure, ils l'ont ôté. Ils l'ont ôté, je pète un câble. Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui quoi?
Montée de niveau. Ah, boulette, c'est bien ça. Ça se fête. Sérieux, mec? Je spoil pas, ça arrivera peut-être après. D'accord. C'est quoi qu'on a ramassé là? De l'huile max et une baie au rang. Ok. Ah, voilà, c'est ça que je voulais. Maintenez ZL. Ok. D'accord, super. Ah, voilà, c'est ça que je voulais. Je vois pas de quoi tu parles, mais j'y ai joué. Si vous tombez comme dans un jeu, vous pouvez continuer votre mission, vous perdez tous vos objets et tout votre argent. Ah ouais, c'est un petit peu chiant ça. Wow! 22 le coup critique! Magnifique. Eh ouais, vous êtes pas prêt à la team Bad Wolf, vous êtes pas prêt! Roupie graine. Alors on est à 50 de life. Ça va encore pour le moment. Ça passe. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un téléporteur? Lorsque vous marchez sur une case miracle, toutes vos modifications de stats disparaissent. Attention, cet effet s'applique aussi bien à vos baisses de stats qu'à vos augmentations de stats. D'accord. Dis-toi que là c'est soft. Ouais, j'imagine, pour le début, ça peut être que soft. Allez, prends le fric. Vas-y! Ok. Bon, est-ce qu'on lui donnerait pas un petit truc à bouffer à lui? Oh putain, attends, il y avait un ratata. Ouh, il y avait un ratata! Quand Pifa était à détruire, c'était où? D'accord. Appuyez sur pour changer de meneur. Vous pouvez choisir n'importe quel Pokémon de votre équipe. Ok, moi je veux juste attaquer balayage. Je veux attaquer balayage. Je n'ai pas pu attaquer balayage. Ah bah attends, je suis baisé là. Bon, je pense qu'on va manger un petit truc là quand même. Pourrait sauver le PV et augmenter le nombre de PV maximum jusqu'à la sortie du donjon. Je pense que ça doit être pas mal ça. Allez, mange un petit coup. Mais pourquoi je suis le seul? Pauvre Sky. Je rêve où il a pris. Ah mais oui, il est que Pokémon aquatique. Non mais moi je veux quelque chose qui me. Ah mais c'est les pommes. C'est les pommes. Voilà. Et lui là il veut pas un petit truc. Est-ce que j'ai quelque chose contre la para? Ah mais gros, j'ai rien. Hein. J'ai rien mec. Je suis désolé mon petit gobou, mais là... Ça marche pas ça? Ok... On va prendre les sous... Attends, il y a un Voltorb. Moi je veux faire balayage. Ouais, bien joué. Allez, on prend les pièces.
Attendez, attendez, attendez. Ah mais il faut être à côté en fait. Chut. Allez, Flamèche. Non! Ah mais il faut viser le Pokémon et tout en plus. Les PP sont indispensables. Ouais, ok, ça marche. Oh! Non, Boulette! Boulette! Ne meurs pas, Boulette! Ne meurs pas, Boulette! S'il te plaît. Continue à faire la toupie. Oh putain. Sérieux, c'est que ça? Alors pour le moment, j'ai du mal en mode. J'ai l'impression qu'ils vont directement sur le Pokémon et en fait, ça te bloque pour pouvoir faire tes attaques. C'est un peu dommage ça. En fait, à copier avec brio sa mission dans le donjon Grotte Éclair. Ok. Oh là là! Quel soulagement! Merci de les avoir sauvés. Une grosse pomme, une baie au rang et des sous. Ouais, t'étais plus que stressé, t'étais même paralysé, mec. Ça m'a épuisé, je vais rentrer me coucher. Allez, va au lit! Bah après si tu veux Sky le dis-le, hein. Au pire c'est pas bien grave. Oh je sens une présence, c'est quelqu'un que je connais? Bah c'est Gobou à tous les coups. Ah non. Alors attendez, 30 secondes, j'ai une mouche. Yeah! Allez, une de moins. En gros, il y a une école. D'accord. Et est-ce que je peux aller... est-ce que je peux me balader? Ah non, il te bloque. Oh, il te bloque. Enfin, pour le moment, peut-être. D'accord. Oh là là, la poste béquipant quoi. Waouh, magnifique. Bonjour. Je peux y acheter et vendre des objets. Ok. Donc là c'est le shop. La banque Persian pour mettre ton argent en sécurité. Très bien. Comboutique Glouti. Il peut lier des capacités pour toi. En gros, il t'apprend des attaques. Oh là là, ils sont trop choupis. Ah ouais. Le dojo Makuhita. Si tu veux t'entraîner ou tout savoir sur les donjons, c'est là qu'il te faut aller. Mais j'y vais pas longtemps et comme je galère, je m'en souviens que je galère. Tous ces commerces, tu trouves pas? Oui, c'est carrément pratique. Au bout de ce chemin, ok. Attends, moi d'abord, je veux. Si vous ne savez pas où aller ou quoi faire, adressez-vous à votre partenaire. D'accord. Moi, je veux voir les objets qu'il y a là. Alors,
pour attaquer l'ennemi sur la case d'en face avec une onde de choc qui inflige de lourds dégâts. Ok. Permet de mettre KO tous les ennemis de la salle à un coup. What? C'est tellement abusé ça. Vas-y, je vais en prendre une. Une ou deux. Non. C'est abusé ce truc. Fulgur Orb. Form Orb. Soigne les altérations de statut. Ok. Allez, ça devrait le faire pour le moment. Donc là, il n'y a rien. Lui, c'est la banque. Ok. Donc là, il va me dire que je peux pas y aller ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour! En tout cas, c'est pas partout, c'est fort nul, mais si des petits sans défense tombent dedans, c'est terrible. Ok. Mais vous aimez Donjons et Mystères? Ben moi, je le découvre, Alex. Donc, pour le moment, ça va, c'est sympa, j'aime bien. C'est tranquille, c'est posé, ça permet de faire un petit jeu tranquille, quoi. Vraiment pépère. Enfin, pour le moment, ça a l'air pépère. Et puis regarde, on peut pousser Gobu. Le pauvre. Elle est dégueulasse ce poste. Alors là, c'est tout ce qu'il faut faire. Medina, petit bois, amenez-moi voir Negapi. Récompense ticket assiduité. Bon, les difficultés apparemment sont faciles. Ok. Et si on clique dessus. Est-ce qu'on peut toutes les accepter? Ah ouais, on peut tous. D'accord. Ok, d'accord. Ok. Ouah, par contre, il n'y a plus de musique, c'est chaud. Bonjour! Ok. Allez, on va aller se faire quelques missions du coup. Ouais, c'est nous le gang des Bad Wolves. Qu'est-ce que t'as, le chutifleur là? T'as un problème? T'as un souci? Tu veux qu'on le règle, wesh? T'es pas prêt, je te dis. Donc là, c'est le truc Makuhita. Ok. Cantor, Fito. Mais il me regarde mal, là. J'aime pas ça, moi. Tu vas galérer. Oh non, hein. Allez. Maintenant que je t'ai tout expliqué, allons secourir les Pokémon qui ont besoin d'aide. Ben oui, allons-y, mon petit Gobu. Et est-ce que du coup... Ouais, tu dois avoir une équipe à force. Le nom du donjon Sainty, cela signifie qu'il abrite un gros butin. Vous pourrez récolter près du double d'argent et bien plus de coffres au trésor que d'habitude. Tape des mouches pour te détendre. Petit bois. Alors attends, parce que du coup... est-ce que ça, c'est ce que j'ai fait? On peut faire les deux, on est d'accord. Hein. Mais là, au moins, il y a des chenipotes et tout, donc... c'est cool. Petit bois. Mais je l'ai pas déjà fait, celle-là. Medina vous accompagne. Oh, coucou. Ouais, ramasse les thunes.
Ok. Ouh, toi t'es pas prêt mon gars. Eh ouais, c'est l'OHKO. Oh là là, il a lâché un truc. Ouais, dans les donjons, les ouvrières de ces derniers, impossible de voir. C'est sûr, si enfin, dans les ouvrières. Impossible de confier. Ok. Donc ça, on peut le faire qu'à la fin. D'accord. Allez, ramasse les petits objets. Donc il faut quand même que j'arrive à contrôler par contre la santé du poussifeu. Ça va être chaud pour moi. Oh là là, il y a une neuf. Oh le bâtard, où est-ce qu'il est? Oh le bâtard! Niveau 7. Y a combien de Pokémon dans le jeu? Alors là, j'en sais rien du tout, moi. C'est quoi ça? Outil d'informer de ce qui se passe dans le donjon. Qu'est-ce que c'est que ce... Ah, c'est un Négapi. Menez Medina jusqu'à Négapi, qui se trouve à cet étage. Ah, attendez, déjà, on va castagner le neuf. Hop, vous avez trouvé Négapi, menez Medina jusqu'à ce Pokémon. Eh bien, What? What? Il s'est envolé? Mais il fallait amener Medina à Négapi et il s'est envolé. Eh bien du con, il est là. Allô? Ah, d'accord. Oh là là. Deviens ami, tu captures pas. Alfeto monte son badge de secourir, c'est un portail magique s'ouvre. Waouh! Non, non, moi je continue. Je le farm un peu. Ils ont dit qu'il y avait du butin. Attends, on est les Bad Wolf ou on l'est pas nous? Vas-y. Allez, boulette. Allez, ma petite boulette. On va passer par là. Wouah, il y a des chemins partout en fait. Oh là là, putain, je kiffe trop. Ok, bon, je vois qu'on est à 36, il va falloir manger une pomme à mon avis, bientôt. Mais arrête de louper tes attaques, putain, qu'est-ce que tu branles? Alors c'était ça son super trésor? Attends, moi je pexe au max, je pexe au max. Olfito a faim, ouais t'inquiète. Laisse-moi juste niquer un petit. Voilà, un petit truc comme ça là. Hop, ramasse du fric. Mais en vrai, je vais manger une pomme et je vais. Hop, manger une petite pomme. Parce que là, je vois qu'il y a un ennemi. Hop, on chope le fric. Que je vois qu'il y a des objets un petit peu partout. Tac. On peut aller level 100. Level 100, si c'est possible, à mon avis, ça doit être super long. Hein. Allez, je pense que là, maintenant, il n'y a plus rien à faire, à mon avis, dans le donjon. Ah, il y a un ennemi. Vas-y, bute-le! Il attaque tellement de loin lui. Ouais, bien joué ça.
Hop. Level 100 max. Ah ouais, putain, quand même. Oui, car tu avais sauvé des personnes et devenu ami avec eux, donc tu pouvais les amener avec toi. Confidence. Oh là là! Ticket assiduité. Alors à quoi ça sert ce truc? Papadapa. Mais je veux pas me reposer moi. Le lendemain matin. Poussi Salut les gars! Ah, y'a personne. Bonjour Elfito, encore une journée pleine de missions qui commence. Oh putain, oh putain, qu'est-ce qui se passe? Un topiqueur. Oh vas-y wesh, c'est toi qui fais le jardin là, espèce de connard? Putain, mais cassez-lui la gueule! Hé hey, boulette! C'est pas grave, c'est juste des trous, mais connard, bien sûr que c'est grave. Ben ouais, il est complètement con ce topiqueur. N'importe quoi, c'est quoi ce jeu là? Oh. Bon, Gobu, viens avec moi. Faut que je te parle. Viens. S'il te plaît, viens. Viens. Voilà. On va se mettre dans un coin. Alors écoute-moi bien. Tu arrêtes d'être aussi gentil que ça. Ok? J'avais planté des tomates. J'avais planté des salades. Et ce topiqueur a fait des trous partout. Arrête de dire que c'est pas grave. Ça l'est. Regarde. Y a plus d'herbe, y a plus de tomates, y a plus de salade. Comment on fait? Alors arrête, si tu veux faire partie des Bad Wolf encore. Putain. Alors. Ok. Venez au donjon Makuhita. Vous avez un ticket assiduité, alors venez l'utiliser au donjon Makuhita. Ce ticket vous donne droit à une séance d'entraînement qui permettra à vos capacités de progresser plus vite que dans un donjon. Des séances d'entraînement gratuites pour ceux qui souhaitent recevoir les techniques de base. D'accord. Il sera toujours gentil. Ah ouais, non, ça va pas le faire à moi, ça. Votre boîte aux lettres sera pleine et vous ne recevez ni le journal Pokémon ni les demandes de sauvetage. D'accord, ok. Ah, est-ce que tu peux, par exemple, choisir une mission là? Ah ouais, cool. Est-ce qu'on peut aller là? Qu'est-ce que tu fais, Olfito? Le donjon, il est pas par là. Ah, il faut aller au donjon Makuhita là? Fais une vidéo entre les deux qui discutent. Ça va trop. Petit bois. Petit bois, c'est là où je suis allé, hein. Au secours, c'est un vrai phénomène, Sophie. Mais ça, c'est ce que je viens de faire, non? Je crois que c'est typiquement ce que je viens de faire, ça, non? Vas-y. Oh, le coup critique. Pourquoi ça marche pas? Salut SK! Pourquoi tu dis que ça marche pas? Qu'est-ce qui t'arrive, mon SK? Pam pam, param pam param. T'es mais. Voilà, c'est ça qu'on veut! Hop! T'es un balayage, ça fait pas très mal sur les ratatas. L'école. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est l'escalier, ok.
Non, mais là, je pense que c'est exactement ce que j'ai fait juste avant la mission, non? Ça fait pas partie d'une mission, ça, je crois, si? Ah, oh, si, Anidoran! Trop mignon! Vas-y, Gobu, est-ce que tu es prêt? Tu l'as vu le Voltorb? Est-ce que tu l'as vu? Gobu, réponds-moi. Oh putain, mais il est trop vénère, il attaque directos, lui. Alors, si tu l'as vu, si tu as vu Voltorb, fais la toupie! Fais la toupie! Pardon. Mais il rate ses pistolets à eau, putain, mais Gobu. Ouais, mais attends, parce que là, du coup, les Sonic Boom, ça fait un peu mal quand même. Les Sonic Boom, ça fait un petit peu mal. Pam pam, palam pam. C'est Nidoran qui est parti? Pam pam, palam pam. Oh, il est là! Ah, mais c'était sous! Il n'y avait que ça! Passez me voir à la poste Bekipan. Ok. Et il s'est envolé. Il reste au moins une mission à accomplir dans les étages suivants. Voulez-vous quitter le donjon? Non, je veux pas. Je veux pas parce qu'il y a des thunes, il y a des trucs à ramasser. Putain, mais l'autre il se bat tout seul là. Pourquoi tu fais ton perso comme ça là? Ouf, heureusement qu'il a loupé. Pourquoi il fait son perso lui hein? Chenipote se trouve à cet étage. Salut Rageux! Comment ça va depuis tout à l'heure? Attention, il y a un hydrant. Ah, montée de niveau. On passe au niveau 8. Bien le tour, et bien, écoute, je vais très bien depuis tout à l'heure, parfait. On teste ce petit jeu Pokémon Donjon Mystère qui est, je dirais, agréable à jouer. Gros yeux. Attaque pic-pic! Ok. Alors, il me reste 33 de Vita. Ok. On a trouvé Chenipote! Chenipote, envole-toi, c'est un ordre! Non, je veux pas le quitter, il m'emmerde cette question-là. Je préfère quand même Pokémon épée. Oui, c'est totalement différent. Hein. Là, c'est vraiment deux jeux totalement différents. Oh là, boulette qui monte au niveau 8. Alors, il me reste 20. Alors, par contre, est-ce que j'ai au moins une pomme? Parce que du coup. Et ouais, non, c'est ça, c'est que j'ai pas de pomme. C'est ça le truc. Il faut absolument que je. Wouah, je vais pas y arriver, je crois. Oh, je vais pas y arriver. Je vais crever. À tout trade jeu. Non, je vais crever, je crois. Dix. Neuf. Je veux sortir! Non! Comment on sort, hein? Comment est-ce qu'on sort? Crève qu'on rigole. Ah, mais je veux juste sortir, en fait. Qu'est-ce que quoi?
Voltorb se trouve à cet étage, mais je veux pas l'aider, Voltorb. Je souhaiterais sortir ou alors me soigner, s'il vous plaît. Par sa simple présence, cette graine permet de ranimer un Pokémon KO. Bon, ok. Au pire, j'ai ça. D'accord. Pour assurer tous les PP. Ah, j'ai la grosse pomme. Moi. Allez. Oh! Je suis paralysé là ou quoi? Non, il est paralysé. Mange des baies. Attends, parce que du coup, je suis para là. Enfin, je crois que je suis paralysé. Qu'est-ce qu'il a, mon poussifeu là? J'ai rien, je peux pas. Non, je suis paralysé à vie. Ah non. Ah, c'est bon. Ah ouais, d'accord, les trucs verts c'est pour empêcher les paras, d'accord. Pam 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 pam. Par contre, j'espère que les musiques elles sont différentes dans les J'espère qu'elles sont différentes quand même dans les donjons. Voltorb, envole-toi mon ami. Non, du coup, je reste. Bam! Oh putain, le Washkao. C'est un Washkao. Récupère. Bon, il va falloir que je vende des objets là, c'est plus possible. Frotte frimousse. Wouah, non mais ça y est, Poussifeu, il est devenu surpuissant, quoi, le truc. Ok, là, y'a rien du tout. Vas-y, Poussifeu! Putain, ça fait tellement mal, les Sonic Boom, c'est ouf. Allez, on nique le ratata et on se casse. Impeccable. Allez, on se tire d'ici. Et du coup, je peux changer de poké ou pas? Méfie-toi des Négapi. Oh putain, je l'avais pas vu lui. Est-ce qu'on peut changer de poké? Oui, tu peux. Ah, c'est marrant ça. Bon, allez, on sort de là. Oui, je souhaite te quitter. Oui, monsieur. Merci d'avoir sauvé Nidoran. Pomme parfaite. Insomniscope. Qu'est-ce que c'est que ça? Pomme parfaite et fer. Donc ils envoient tout dans la réserve Kangourex. Ok. Mais arrêtez de dormir, les gars, à un moment donné aussi, là. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils dorment tout le temps, quoi. Oh là là. Ah, mais non. Tori merin cherine, ah, mais non. Putain, si c'est le topiqueur, je te dis qu'il va m'entendre, celui-là. Ouais, du coup, comment tu fais, Skyle, juste pour choisir, en gros, choisir Gobu, jouer avec Gobu? Oh, ouais, on cherche le phyto. Non, non, n'y va pas, n'y va pas.
N'y va pas. Oh! Les bâtards. Putain! Mais qu'est-ce qu'ils ont à défoncer la maison là? Ouais, ça va. Piqueur s'est fait enlever, je n'ai pas le choix, je dois aller le sauver. Et ouais, fallait le sauver, Poussy. Elle ou R? Pam pam pam. Salut, Olfito. Quoi, quelqu'un t'a demandé de l'aide? Tout à fait. Eh, mais vas-y, mais. On a compris, casse-toi! Topicar, c'est le Pokémon qui creusait des trous ici. Mais laissez-le justement. Voilà. On a plus de tomates, on a plus de salade. Laissez-le sur la montagne. S'en fout. Alors, moi, je veux voir un truc. Oui. Allez, c'est bon. Lâche-moi les basques. Casse-toi. Alors que Munaroc vient de se connecter. Alors, est-ce que je peux retirer du coup. Ah, ça sert à quoi? Immunise le porteur contre les statues. Ah, bah ça, c'est cool. Param param. Alors, on va vendre quelques baies aussi. Bonjour. Allez, hop. Toi, t'es bloqué. Alors, 5 BP chat, mini résidu de graines. Voilà pourquoi en fait j'ai les liens qui sont fermés. Comme ça au moins je les vois pas. Et ce genre de personne là qui vient d'arriver sur le chat est très néfaste. Alors. Confidence. Par contre, on peut pas. Ah, si, R. Ok. Parce que j'allais dire, c'est un peu chiant quand même. BP chat. Ça, on va le garder. On va en garder quelques-unes quand même. Huile max, c'est pour tous les PP. Ok. Une graine à lancer pour lui donner un statut de sommeil. D'accord, ça, on va le garder aussi. Pour attaquer l'ennemi sur la case d'en face avec une onde de choc qui amplifie. Ok. Bon, en vrai, l'huile max, on peut en enlever une, je pense. Ah oui, il y en a attaqué. Allez, B au rang, pareil. Ça, on le garde. Les pommes, on les garde. À consommer pour augmenter la défense de façon permanente. Allez, ce sera déjà très bien. Tu fais quoi, le phyto? Bah, écoute, je vends pour le moment des petits objets. Je veux. Quoi? Non mais j'en jette quelques-unes. Insomniscope. Mais pourquoi ils veulent le jeter? Pourquoi on peut pas lui attacher? Puis attaque flammèche. Ouais, ok. Je pensais qu'on pouvait lui attacher. Ok, bon. On va aller voir le truc. Je veux savoir à quoi ça sert. Faut que tu me donnes un tic assiduité. Plus la valeur est élevée, plus l'entraînement est bénéfique. Eh ben, je sais pas. On va commencer par ça parce que je sais pas trop à quoi ça sert. Fais pas des bêtises! Mais j'apprends! Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Vous devez vaincre les ennemis dans le temps imparti. Ok. Utilisez des capacités super efficaces pour obtenir un maximum de points d'expérience. Vous avancerez plus vite et vous
et vous pourrez reprendre vos esprits sans même utiliser, d'accord, ça vous du déplacement automatique pour foncer sans vous arrêter à accumuler des points d'expérience. Vas-y, envoie le truc automatique. Wow. Allez, déplacement automatique là. Je comprends pas. Mais du coup, j'ai perdu là. Non, non, j'ai de ça, c'est de la merde, on s'en fout. Oui. Ouais, non. Allez. Entraînement de base. C'est quoi ça? Ok. Bon, du coup, il faut aller aider le topiqueur là. Livrer une graine mini résure graine. Aidez-moi, amenez voir Elekid. Et aidez-moi. Grotte éclair. Il y en a trois dans la grotte éclair. Allez. Muna. Qu'est-ce qu'ils ont comme objet? Moi, je pense que je vais revendre des baies encore. Mais il y en a là des baies! Je peux en acheter! Acheter des pommes aussi. Je peux pas en acheter si. Et pourquoi je peux pas en acheter plusieurs? Il en avait qu'une peut-être? Ah oui, il en avait qu'une, d'accord. Non, je rigole, ça va. Allez, go! Mon acier. Alors, petit bois, il y a du flouze à se faire. Hein. Ah ouais, c'est vrai que j'ai un coffre. Bam. Et est-ce que c'est réellement utile de faire toutes les missions? Ah ouais, par contre, Gobu, il est au niveau 8. Bon, par contre, maintenant on OHKO toute la terre. Arrête de remettre ma parole en question. Mais on remet pas ta parole en question, Skyle. Allez, hop.
Mais je les ai pas vendus! Oh! Je vais pas les vendre, les baies. Je sais que c'est important. Allez, donne-lui la petite graine. Hop. Envole-toi, mon ami. Non. Non, parce qu'il y a d'autres choses à faire. Mais putain, mais ils ratent H24 leurs attaques aussi là. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Ah, un bec. Bébé chat. Et du fric. Tu verras quand il va commencer à avancer dans l'histoire et qu'il va passer son temps à mourir. Mais non, tu vas voir. De quoi déjà? Mais ils avaient mis que j'avais plein de. Jamais je mourrai! Prends du fric, Gobou, on va en avoir besoin, je te le dis. On est les Bad Wolf, on peut pas mourir. À l'attaque! Oh non, le bâtard! Dans la merde si tu fais ça. S'il y a Dratak, il va pas déjà y avoir Dratak quand même. Hop! Friandise irisée. D'accord. Kezako. Qu'est-ce que c'est que ça? Pompe parfaite, orbe banque et écharpe Death Plus. Moquez-vous, bande de petits saligots. Non, vas-y, moi je veux pas aller l'aider. Moi, ton piqueur, j'ai juste envie qu'il crève, en fait. Juste ça, quoi. Alors, la fin. Ouais, ça, je le sais. Si votre équipe est vaincue dans un donjon, vous perdez l'argent et les objets que vous avez sur vous. Ouais, ça, c'est bon. Tu fais quoi sur Pokémon? Quoi? Allez, on va aller chercher Topicker. Mais pourquoi ils mettent des... 3 maximum. Non mais allez, on va au moins assis là. Mais putain, il y a des coffres. Il y a des coffres à les récupérer. Allez, nous y voilà là, c'est le mont acier. Topicker doit être au sommet. Ah, Pokémon volant. Ah non, c'est le piqueur. Allez, mon petit poussifeu. Mon acier. Bon, ça va, ils ont quand même changé les musiques, ça c'est cool. Bon, par contre, oh là là, mais il loupe tout! Là en vrai il faudrait que j'utilise Gobou. Est-ce qu'on peut utiliser Gobou s'il vous plaît? Non, qu'est-ce que tu branles?
Comment est-ce qu'on peut utiliser Gobu là? J'aimerais utiliser Gobu. Raccourci conseil de jeu. Ah, ça y est. Pam 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 pam. Allez, venez vous battre. Par contre, mec, pistolet à eau. Voilà, ça c'est bien joué. C'est bon, il y a 10 fois moins d'aventure et que c'est répétitif. Alors je ne sais pas, je vous laisse. Là c'est vous qui êtes qui connaissez ce jeu quoi. Pour le moment j'ai l'impression que c'est quand même assez répétitif en effet. Oh là là, magnifique. Niveau 9. Te laisse pas faire. Bon, on a tout. Regardez ici. Ouh, un débugant. En tout coup, ils ont enlevé de la difficulté. Ah, ça m'étonnerait pas de Nintendo, ça. C'est jamais abandonné. J'abandonne pas, qu'est-ce que tu dis toi? Voilà, Zixaton. Ou alors ils ont mis le jeu en accéléré. Mais en fait tu peux tirer de loin? Qu'est-ce que c'est ce truc? Balabalam pam pam pam. Voilà, le Balbuto qui se fait au HKO. Magnifique. Ils ont rajouté des trucs et enlevé l'école. Ah donc en fait, ils ont quand même rajouté des choses, mais enlevé d'autres. Attends, on se fait attaquer. On se fait attaquer. Oula, il va falloir que je mange quelque chose.
Bah on dirait. Ok. Et du coup, ça faisait quoi alors l'école Sky là? Ça faisait quoi? Mais arrête de louper! Il arrête pas de louper, ce con. Oui, je sais que t'as faim. Que sa vue se brouille carrément. Il y a moins d'objets. Mais il loupe tous ses pistolets à eau! Comment ça se passe? Alors attendez. C'est pour ça qu'il faut que tu gardes tes baies. Mais je les garde là, les baies, je les ai pas jetées. Qu'est-ce que c'était ça? Il est... Quoi? Oh là là! Gravel Rush, une fois lancé cet objet, vole en direction de l'ennemi pour lui infliger des dégâts fixes. Vas-y, moi je le veux ça. En gros, il y avait d'autres enfants que tu pouvais amener avec toi. Il y avait des profs qui t'enseignaient des techniques. Il se passait plein de choses autour, enfin. C'était trop ouf. Ah ouais, là du coup, pour le coup, je ne connais absolument pas. Attends. C'est un guet-apens, poussifeu. C'est un guet-apens! Oh, avance! Pourquoi je peux pas le... Ah si, je peux l'échanger. Bon, BP chat, on est d'accord qu'on peut le virer, ça. Wow, yeah! 1000 max, on s'en fout. Il y a un regroupement d'objets là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Où est Dratak? Il n'est pas là! Mais je les ai gardés, les bébés. J'en ai viré que deux. C'est pas dramatique quand même. Sont fous ces jeunes. Oh là là, s'il te plaît! Putain, Gobou!
Wow! Parfois, quelqu'un décide d'ouvrir un magasin temporaire dans un donjon, ramasser les objets qui vous intéressent et aller lui parler pour payer. Déposez vos propres objets au sol pour les vendre. Un petit conseil, n'oubliez pas de payer avant de partir. Ouais. Bon, je sais pas, moi je connais pas là. Téléporte tous les alliés de l'utilisateur. Explograine. Pour attaquer l'ennemi sur la case d'en face avec une onde de choc qui inflige de lourds dégâts. Ok, bon, de toute façon, je pense qu'on va rester comme ça. Au plaisir de vous revoir. Mais oui, mon cher ami. Allez, on monte. Oui. Ne lui vole pas, fais gaffe. On peut le voler? Croupigraine pour lui donner le statut de sommeil. Mais ça a l'air pas mal quand même. Bon, j'en ai déjà. Achète la résu-graine. Ah mais du coup je peux pas retourner. Oups. Oups. Vas-y, défonce-le. Non, je veux pas changer. C'est bon, tu l'as tué? Alors. S'il veut le voir galérer, faut pas qu'il achète. Il nous traite d'enfants, mais il écoute rien. Mais oh, putain, vous êtes fous! Qu'est-ce qui vous arrive? Je vous traite de rien du tout. J'essaye de comprendre le jeu. Chose que je n'arrive pas forcément à faire. On est dans un magasin, putain, l'autre il m'attaque! Ah! Alors. Roupie-graine, mais ça j'en ai, putain, des roupies-graines. Mini résu-graine. Bon, ça c'est bon, ça c'est cool. Impossible de ramasser. Je peux pas! Échanger. Et j'enlève quoi alors? Mini résu-graine, ok, donc j'en ai une. Graval roche. J'enlève une baie fraise. Allez, putain. Allez, si tu veux. C'est bon? Attends, t'as que pic-pic toi là? Wow, ah ouais, il me faut. Qu'est-ce qu'ils ont? Mais quoi? Qu'est-ce que j'ai encore mal fait? Par contre, les balles du taux, ils me refont le cul là. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh là là. Qu'est-ce que vous voulez là en fait? La roupie-graine? Pour lui donner le statut sommeil, mais j'en ai déjà deux. Vous voulez que je le prenne ça? Vous voulez que je prenne ça?
Jette pas tes baies, mais jette pas mes baies, mais... Tu avéré une baie. Mais c'est une baie anti-brûlure. C'est nul. Surtout pas la roupie graine. Bon, mais je prends rien. Je me casse. Putain, patience. Allez, on est dehors. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un terral. Par contre, là, il faut flamèche. Non, on l'a loupé! Waouh! Les dégâts du truc. On a face à nous un nouveau joueur et ça se voit à 10 000 km. Je vous ai dit que je n'y avais jamais joué à ce truc. Je pense que du coup ça se voit. Balayage. Je pense que là vous avez la preuve du coup par A plus B. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais retiens quand on te dit un truc. Non mais moi pour moi les baies qui soignent de la brûlure ou quoi, enfin pour moi dans ma tête ça sert à rien. Mais après je suis bien obligé de virer des trucs, mon inventaire est plein. Les garder alors, oh là là, vive attaque, on s'en fout un petit peu. Allez, on va rester comme ça. Hop, mais prends là. Voilà, là je suis bien obligé de la ramasser, mais si je la ramasse, il faut que je vire quelque chose. La boîte est pleine, impossible de ramasser la baie au rang. Qu'est-ce que je fais alors? Faut bien que j'échange avec quelque chose. Viens les gravel roches. Qu'est-ce que c'est qui m'a niqué là? Take my money. Oula, il y a des ennemis un petit peu partout là. Balabalin. Attends. Il me faut pic-pic. Et là, pic-pic. Mais... Rip.
Je me fais victimiser par mes... par les viewers, quoi. Et est-ce qu'on peut changer? Ah oui, on peut changer, ok. Mais Gobu! Bam! Ouais, GG! Est-ce que c'est les PP qui sont ré... Ben non, pas du tout. C'est quoi en fait qui nous réinitialise là à chaque fois? Quand on marche sur ces trucs? Attends, il fait dodo. Hop! Bam! PV ou statut? Ok. Bon, je pense qu'il va falloir que je prenne des... des Ulmax. Plus de pistolet à eau. Tac. Et par contre, il va falloir manger des pommes aussi là. Bon, on va attendre un petit peu peut-être. On a tout fait là ou piège soporifique. Il y a des pièges et tout quoi. Ah, attends, parce qu'il faut que je prenne la baie, sinon encore je vais me faire engueuler. Balabadam. Balabadam. Pam, pam, pam. Qu'est-ce que c'est ça? Marcher sur un piège, bachotage permet aux capacités de toute l'équipe de progresser plus rapidement dans cet étage. D'accord. Bon après c'est quand même très linéaire. Hein. C'est un peu... c'est très linéaire. Ok. Wouah, il y a au taquet d'ennemis en bas là. Balabalam. Balabalam. Pam pam pam. Allez, casse-toi. Oh là là! Bon, on va se faire rect. On va se faire rect. Gobu! Gobu! On va se faire rect, gros! Oh là là! Et voilà. Allez, mini résigraine. Mais qu'est-ce qu'il... Mais Gobu!
Mais je peux pas bouger, il bouge pas, il fait rien, il est bloqué tout le temps, à n'importe quelle heure. À n'importe quelle heure de la journée, il est bloqué, ce con. On peut y revenir dans le donjon un peu plus tard ou pas? Oh putain. Oui. Ah, mais voilà. Boum. Comment tu fais pour sortir du coup? Il te faut mettre je veux pas continuer ou quelque chose comme ça, non? Tu mets non, je présume. Mais non, je peux pas. Je peux pas partir! Je mets non! Il veut pas! Montée de niveau. Donc je mets oui, mais je vais être à l'étage 8. Je vais me faire défoncer en fait. Voilà, c'était juste ce que vous vouliez, que je me fasse défoncer en fait. C'était juste ça en fait. Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Oh là, armure. Qu'est-ce que vous faites ici, vous deux? Laisse-le partir, armure. Mais quelle toupée! Ce sale fouisseur et sa famille n'ont que ce qu'ils méritent! Je n'arrive plus à fermer l'œil de la nuit avec tous ces tremblements de terre. Ah! Mais oui, mais écoute, armure, moi ça me va très bien, franchement, ce que tu fais. Silence! Je vais vous apprendre le respect. Il va falloir en découdre, hein. Bon, on va spammer Flamèche, hein. Mais il tire à côté! Vas-y. Il faut spammer. Gros yeux. Griffacier, on craint pas Griffacier, nous. Alors attends, est-ce que je peux changer de poké? Est-ce que je peux changer? Est-ce que je peux lui attaquer? Ouais, je pense, ouais. Alors attends, permet de mettre KO. Ouais, bon, ok. Ok. Moi j'ai envie de voir ce que ça fait ça. Je connais pas moi. Je peux pas. Ah si, lancer. Quoi? Oh là là, easy game. Ah, on est trop fort. Qu'est-ce qu'on est fort. Eh oui. Tu quittes le donjon, ce que tu ne peux pas faire, sauf si tu meurs, tu dois recommencer depuis le début. Ah ben d'accord. Oula. On peut pas traverser. Eh ouais, c'est qui les boss? C'est Boulette et Olpito. Oh
On nous a prévenus, on se charge de sauver Topicœur. Oh là là, on est trop fort. Qu'est-ce qu'on est fort! Oh, comme j'ai eu peur! Ça devait être à cause du vertige! C'était le premier boss, calme-toi, Olfi! Et je lui ai pété la gueule à son boss! Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce que c'est? J'entends des voix. Oups! Oh là là! Waouh, magnifique! Nous vous devons une fière chandelle. Voyons si tu redis ça quand tu auras avancé d'Alger. Mais tu vas voir, on va tout au HKO. Easy. Trop facile ce jeu. Beaucoup trop simple. Ouais, cool, de Magnéti. Ouais, grave. Oh non, il se barre. Au club camping. J'ai tout filmé, je te le ressortirai. Et je te le redis, trop facile ce jeu, trop simple. Où est la difficulté? Le mec qui abuse trop, tu sais. Mais à quoi il rêve, lui, là? Oh! Un Drattak. Mais je vais pas affronter un Drattak alors que je suis pour le moment un simple poussifeu tout pourri là. Mais t'as pas vu le garde-voir en fond ou quoi? La waifu? Il y avait la waifu? Olfito raconte ses rêves à Boulette. Comme il se la pète le gobou là. Ouais grave. Moi je veux recruter des gens là. Alors on va vendre quelques petites baies du coup. Allez on boit du max. Ça j'en ai besoin. Téléporte tous les alliés, ok. Permet de mettre KO, ça j'en ai. Par sa simple présence dans la boîte à objets, cette graine permet de ranimer. Ouais, ça c'est cool ça. Oh merde! Tu es malade. Mais ce qui m'énerve, c'est que le sac est trop vite plein en fait. Après j'ai pas vu un garde-voir mais j'ai vu une silhouette. Il est trop vite plein en fait le sac, c'est ça qui fait chier, c'est ça qui est nul. Il a autre chose lui ou c'est la même chose? Putain mais il m'emmerde Gobou, laisse-moi parler s'il te plaît.
Waouh! Oh, acrobatie, on peut lui apprendre ça, je crois. Lame de roc, change éclair, éclair fou. Vas-y, on lui apprend acrobatie. Oh là là, putain! Casse les couilles là, j'ai envie de vendre quelque chose, je m'en bats les couilles. Moi. Pète les couilles là. 3B orange, j'en ai 5, j'en ai 6. Graines vides. Ah ça je m'en fous alors, je peux le virer ça. Voilà, parfait. Non, je veux acheter acrobatie juste. Merci. Alors, est-ce qu'on peut lui apprendre comme ça? Pourquoi on peut pas... Enseigne la capacité physique acrobatique qui inflige des dégâts également utilisables en ville dans la liste de la boîte à objets ou de la réserve Kangourex. Ok. Bonjour! Bon, il est où ton roux doudou là? Il est là! Camp gratuit, waouh, classe. Campadabra. D'accord. Waouh, cool. On va voir Magnéti. En vrai, notre team, elle est, il y a une bonne synergie. On va l'appeler. J'ai hâte de voir Noctali sur ce jeu. Il y est Noctali? Au revoir. Bah c'est la même team que tous les autres joueurs. Hein. Ouais, ça je me doute. Je me doute. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on a? Mais il y a tellement de choses. Il y a tellement de trucs! Qu'est-ce que c'est que ça? Au fait, t'as replanté les tomates? Non! Toujours pas! Comment est-ce que je peux faire? Bon, on peut pas apprendre l'acrobatie là, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a Baston? Oh putain, il y a Baston. Une Baston. Oh le pauvre. Waouh! La team!
Wow! Il se barre. Voilà, SWAC Team. Un QI de 5000. Ah ben à peu près comme moi. C'est bien ça. Oh, merci. Ouais, moi je suis un thug. Regardez comme je marche. Vous avez vu ça, wesh? Eh ouais, les gars. Attendez, mais qui est ce poussifeu? Voyez, je vous l'ai dit que j'avais mon ancien QI de 500. Il a compris que j'avais une grande intelligence. Il s'est dit, putain, merde, il me dépasse en intelligence. Et du coup, il a eu peur et il s'est barré. Et ouais. Je suis le méchant. Je suis un ectoplasma, je suis le méchant. Mais il n'y a plus pain d'espiègle et escargot. Ah, il y a du courrier. Attention à la tête. L'autre, il gerbe le courrier, quoi. Les friandises irisées, ces douceurs dont on ravole tous, arrivent dans les camps. Allons aller manger avec Cookie. Mais ouais, mais putain, mais moi je vais apprendre des CT là. Pourquoi je peux pas lui apprendre? Faut que j'aille vendre des B, hein. C'est sûr, hein. Sûr et certain. Ça bug de ouf pour moi, ça revient en arrière tout seul. Ah ouais? Ah pourtant j'ai. Pareil pour Sky, le what? Bon, de toute manière, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, à mon avis. Je pense que je vais faire 2-3 missions en hors ligne pour un petit peu me mettre à jour dans ce qu'il faut faire. Par contre, on est d'accord qu'il manque trop d'interactions. Ah, ça. Hop. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Tranquillou, ça fait quand même 2 heures de live. Donc, demain matin, je reprendrai ma petite chasse de Minotaur Shiny, en espérant l'avoir. Et si jamais je réussis à l'avoir assez vite, j'aimerais qu'on fasse des petits raids tous ensemble. Soit des raids, soit des combats, enfin un petit peu de tout. Je veux te voir contre-attaque. Non, pas, ça sera pas aujourd'hui. Là, entre tout, ça fait 6 heures de live, c'est pas trop mal. Donc, je vais sauvegarder tranquillou. Qu'est-ce qu'il y a dans les options? Se tourner vers l'ennemi. Ah ouais. Déplacement automatique dans les couloirs. Ouais, y a pas grand-chose. Ok. Est-ce qu'on peut classer ces objets? Trier. Ah, mais voilà!
Ah, ça c'est déjà cool. Regardez toutes les baies au rang là que j'ai. Bon, on verra ça. Du coup, ben, je vous donne rendez-vous pour. Par contre, comment on rejoint un raid? Je crois qu'il te faut rentrer mon code ami. Il me semble. Si je dis pas de bêtises. C'est pas assez. Ben, c'est pas assez, mais j'aimerais utiliser des trucs et je peux pas, style, le faire. Comment tu fais pour l'utiliser? C'est chiant, quoi. Ah, j'aurais dû utiliser. Ah, est-ce qu'on peut utiliser les fulgurobes dans le truc de Makuhita? Bon, enfin, bon, bref. On verra ça, Insomniscope. Par exemple, ça, comment on fait pour l'utiliser? Il faut que ce soit dans un donjon? Palam. Ouais, je sais pas, je vais faire 2-3 trucs à l'oreille. Oh, pour essayer de comprendre un petit peu le jeu. Bah équipe-le, mais je peux pas l'équiper, c'est ça le truc. C'est ce que j'arrête pas de dire depuis tout à l'heure. Je peux que le jeter. C'est quand même incroyable. Bon allez, je vous fais à tous de gros bisous. Je vous dis donc à demain pour le live, donc Rototop Shiny du coup. Je vous souhaite à tous de passer une bonne petite soirée et je vous dis à demain. Ciao ciao!